J'ai prévu un petit input, pas forcément une prédication très longue, donc c'est juste un input, quelques points, quelques réflexions sur un thème d'actualité. Il fait chaud. Cette nécessité, on nous dit toujours de bien s'abreuver, de bien boire, de bien s'hydrater, autrement on risque de ne pas se sentir très bien. Des fois, avec l'âge, il paraît qu'on ressent moins la soif, donc il faut plus boire. Et je vais parler un petit peu de l'eau ce matin. Alors vous me direz, oh ben, on est content avec les inondations qu'il y a eu à Sierre et à différents endroits, que ce soit un petit peu plus sec. Mais quand même, il paraît que malgré toute cette abondance de pluie, ça crée quand même des risques d'incendie. C'est assez paradoxal, mais la végétation ayant poussé rapidement et sans des grosses racines, donc tout ça. Mais imaginez un jardin dans une maison, ou un beau jardin, là vous avez votre jardin. Ce jardin représente votre vie spirituelle, et si ce jardin est bien arrosé, eh bien les plantes vont pousser, différentes couleurs, fleurir, porter du fruit, et l'eau dans ce cas est indispensable. Indispensable pour la vie, pour la croissance, pour la floraison des plantes, et sans eau, même les graines les plus prometteuses resteront dormantes, les plantes les plus robustes finiront par se flétrir et mourir. Et maintenant, imaginez que l'eau de ce jardin provient d'une source naturelle, une rivière pure, intarissable, pas comme la Seine, et qui coule juste à côté de votre maison. Cette rivière symbolise des fleuves d'eau vive dont Jésus parle. Il n'y a pas besoin, comme les plongeurs et les nageurs, de prendre un vaccin avant et des pastilles pour éviter le choléra ou d'autres maladies liées à l'eau très pure de la Seine. Mais cette eau très magnifique, ces fleuves d'eau vive dont Jésus parle, sont à notre disposition. Une source constante, abondante, qui alimente notre jardin spirituel et qui permet à notre vie de prospérer, s'épanouir. Et tout comme un jardin dépend de l'eau pour sa survie, notre vie spirituelle dépend aussi des fleuves d'eau vive. On a besoin de ces fleuves d'eau vive. Et ces fleuves, eh bien dans la Bible aussi, symbolisent le Saint-Esprit, nourrissent notre âme, nous apporte la paix, la joie, la direction divine. Et sans cette source d'eau, eh bien notre vie spirituelle devient aride, en manque de vigueur, de fruits spirituels. Et en principe, et c'est logique, un fleuve ne stagne jamais. Si vous regardez le Rhône, c'est assez sympa à regarder depuis un pont et de voir cette eau qui circule, et on se dit c'est sans fin. Et de même, ces fleuves d'eau vive nous offrent un rafraîchissement continu. Et notre vie, elle n'est pas appelée à stagner, à se contenter d'une petite mare bien stagnante, mais on a besoin de ces fleuves d'eau vive, et la Bible en parle, ce rafraîchissement continu, qui va aussi nous protéger d'une stagnation spirituelle, nous aide à rester vivants, dynamiques dans notre foi, prêts à affronter des défis, à saisir des opportunités aussi que Dieu place sur notre chemin. Et dans la vie, on fait face au stress, à des responsabilités, des imprévus, en tout cas, je ne sais pas vous, mais nous, ça nous arrive assez fréquemment d'avoir des imprévus, et lorsqu'on organise des choses, d'avoir des imprévus. Mais avec les fleuves d'eau vive, même au milieu des périodes les plus éprouvantes, on peut retrouver ce renouveau spirituel. Ce n'est pas juste au moment où tout à coup, c'est la sécheresse, qu'on se souvient qu'il y a une source quelque part et qu'on va y venir, mais on est habitué d'être déjà emporté dans ces courants d'eau, qui nous permet de rester équilibré aussi, positif et plein d'espoir, malgré parfois les circonstances, parce qu'on n'a jamais cessé à se laisser alimenter. Et comme je l'ai dit dans la parole, la Bible, les fleuves d'eau vive symbolisent le Saint-Esprit, et c'est essentiel pour notre vie spirituelle.
nourrissent notre âme, favorisent notre croissance, nous offrent un rafraîchissement continu dans le but voulu par Dieu de porter du fruit. Alors cherchons à être constamment alimentés par cette source divine permettant à notre foi de rester vive et dynamique. Il y a différentes expressions en valais. T'as les vignes, t'as les vaches, tel fils à qui, enfin on pourrait en rajouter d'autres. C'est des petites expressions sympas. On peut en rajouter aussi, peut-être t'as où la soif, hein. Ou t'as où la foi. Alors ça se trouve pas, c'est pas une expression très valaisanne, mais finalement, votre foi et votre soif, elle est basée sur quoi ou sur qui? Sur qui? Et quand on n'a pas soif, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ben on n'a pas envie de boire. Et c'est naturel. Ça demande un effort, un désir. Et vous me direz, mais de toute façon, la Bible nous dit, et là encore, c'est notre espérance, la Bible nous dit que tout nous vient de Dieu. Donc si je n'ai pas soif, c'est son problème finalement. Il n'a qu'à faire que j'ai soif. Non. Ésaïe 55 nous dit quand même, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Ça veut dire que si on n'a pas soif puis qu'on ne veut pas venir, ben, Dieu ne nous force pas. Donc il y a quand même quelque chose de notre part à mettre en œuvre, un mouvement, se laisser aller en direction de cette source. Si tu n'as pas soif, Dieu ne va pas te donner de l'eau finalement. C'est ce que ce texte dit, Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux, tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promise à David. Et dimanche précédent, j'ai parlé de cette alliance aussi, et elle nous poursuit, cette alliance que Dieu a finalement conclue avec nous par sa bonne volonté. C'est lui qui est l'instigateur de cette alliance. Et là, on a cette invitation à venir nous nourrir, nous désaltérer dans sa présence, et ça demande un effort de notre part. Réalisons dans ces quelques éléments que j'ai à cœur de vous partager ce matin, ce n'est pas vraiment une prédication très, très carrée, mais juste quelques réflexions. Réalisons l'importance de ces fleuves d'eau vive dans notre vie spirituelle comme Jésus l'a promis. Ces paroles nous rappellent non seulement notre appel à la sainteté, à la prière, mais aussi la promesse de l'Esprit qui coulera de notre sein, apportant vie et guérison. Regardons juste deux points que j'aimerais relever en particulier aussi, que le Seigneur a déposé sur mon cœur, le shalom de Jésus, la paix que Jésus apporte dans nos vies. C'est quelque chose qui peut-être va rejoindre une ou plusieurs personnes, c'était en me plaçant devant le Seigneur, une pensée que j'avais à cœur de débattre un petit peu ce matin, cette paix. Peut-être plusieurs ont besoin de la paix dans leur vie, votre vie elle est peut-être stressée ou stressante, et vous avez besoin de ce shalom et ces fleuves d'eau vive qui est complémentaire, et qui va permettre d'apporter aussi eh bien, cette paix de Jésus. Dans Jean 20, versets 19 à 23, Jésus apparaît aux disciples, effrayés, leur dit « La paix soit avec vous ». C'est Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Donc Jésus venait de ressusciter. Sympa, hein? Moi je m'imagine toujours cette scène. T'as tout bouclé à double tour, les verrous, t'as quelqu'un dans ton salon. Shalom! Et c'est là que tu décèdes.
Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Pour vous, il montre ses mains. Tiens, si je vous montre mes mains, ça ne va pas vous changer la vie. Mais imaginez, il a été cloué quand même. Quelques heures, il est resté pendu à la croix. Donc, tout ça pour montrer qu'il avait bel et bien des trous, quoi. J'imagine qu'il ne s'était pas fermé, ces trous. Vu qu'il leur montre les mains, ce n'était pas des cicatrices, c'était des trous et son côté percé avec la lance et tout. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Alors c'est un petit peu... Ça fait couler aussi beaucoup d'eau, ce texte où Jésus va leur souffler dessus en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». On sait bien que le Saint-Esprit est venu vraiment, cette effusion du Saint-Esprit, quelque temps après, un peu moins de 40 jours, enfin 35 jours après cet événement à la Pentecôte. Il est venu, enfin... Et... Là, Jésus leur dit déjà, mais recevez le Saint-Esprit. C'est comme un acompte. Ça veut dire qu'ils voyaient Jésus, ils voyaient ses mains, mais il y a quelque chose qui leur échappait sans la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, on peut peut-être voir, entendre, comprendre, vous dites, mais tout ça, je le sais. Mais sans le Saint-Esprit, ça reste juste des trucs qu'on sait, mais ça ne change pas notre vie finalement. Et Jésus, là, voulait qu'ils le voient et qu'ils voient sa résurrection. Et ils étaient tout contents. Tiens, Jésus qui n'était plus là, qui était dans la tombe, et ils étaient tout tristes qu'il n'était plus là. Là, ils sont tout contents parce qu'ils le voient de nouveau. Mais je pense que Jésus voulait déjà qu'ils comprennent vraiment la puissance de cette résurrection. Et sans le Saint-Esprit, sans ce que Jésus a fait, eh bien, ils n'étaient pas encore pleinement éclairés. Et ce matin, eh bien, j'aimerais juste nous rappeler que sans cette puissance du Saint-Esprit dans notre vie, on peut juste dire « ouais, bof, c'était bien, mais ça ne change pas ma vie. » Est-ce qu'on a ces fleuves d'eau vive? Est-ce qu'on a cette plénitude? Pas juste la tête bourrée d'informations, de choses qu'on sait, mais est-ce que ces informations, ces choses qui devraient nous conduire à aller? Comme Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Ce n'est pas pour être stagnant sur une chaise, mais c'est pour aller. Et cette situation, ce n'est pas une simple formule de politesse quand il leur dit que la paix soit avec vous, mais une déclaration de paix divine, une paix acquise au prix de son sang. Et malgré leurs doutes, leurs peurs, Jésus les assure de son pardon, de sa présence éternelle. On voit la parole de Dieu, que la paix soit avec vous et l'Esprit. Pour vraiment vivre la paix, ils avaient besoin de l'Esprit. L'un ne va pas sans l'autre. On a besoin de la parole, on a besoin de l'Esprit. Les disciples qui avaient fui et renié Jésus sont accueillis avec une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Et cette paix, ce shalom, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais une plénitude de vie et une restauration totale. Et en montrant ses blessures, Jésus leur offre une preuve tangible de sa victoire sur la mort, sur le péché. Et il les prépare aussi à recevoir le Saint-Esprit. Et cette paix doit également nous habiter, nous transformer, en nous rappelant que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le même. Jésus dit à ses disciples « Recevez le Saint-Esprit ». Il leur montre ainsi que leur vie spirituelle, aussi bien que leurs tâches ici-bas, dépendent de l'Esprit. Si on veut faire des choses sans être accompagné du Saint-Esprit, on va faire des choses, oui. Comme beaucoup de gens dans ce monde font des choses, mais très humainement. Très humainement. Chaque parole de Christ reçue dans leur cœur par la foi est accompagnée par ce souffle divin. Et sans ce souffle, il n'y a ni lumière ni vie, rien que des bonnes œuvres, des bonnes choses. Et il n'y a pas de mal à faire du bien aux autres personnes. Mais là, Jésus nous dit le cran un petit peu plus haut. Rien ne peut être discerné, ressenti spirituellement si c'est au travers de
cette puissance du Saint-Esprit aussi, la parole qui va booster, qui va être boostée par l'action du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive. Dans Jean 7, vous connaissez ce texte aussi, 38-39, Jésus proclame « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Est-ce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent de votre vie? Des fleuves d'eau vive. Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est la joie? Qu'est-ce qui sort finalement? Des fleuves d'eau vive, c'est la vie. C'est Jésus, sa puissance. Jean 7, 38-39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça fait penser à Ésaïe 55, j'ai lu tout à l'heure, hein, « Si quelqu'un a soif. » On peut y revenir, hein, d'ailleurs. « Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. » Et Jésus va dire, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » La même chose. Il y a juste 700 ans de différence entre ces deux textes. Mais c'est le même texte, plus ou moins. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » C'est-à-dire qu'il n'était pas monté au ciel, retourné. Pensez à une période de votre vie où vous vous êtes senti spirituellement desséché. Ça nous arrive tous, j'imagine. Peut-être vous avez traversé des moments de doute, de découragement, de confusion, en se disant « mais à quoi bon ?» Et lorsque vous avez prié, médité sur la parole de Dieu, cherché véritablement la présence du Saint-Esprit, c'est comme si un fleuve d'eau vive vous rafraîchit. Peut-être vos circonstances n'ont pas encore changé, mais vous êtes comme revigoré, votre âme est un petit peu restaurée, il y a comme une lueur d'espoir qui renaît, vous apportant une nouvelle clarté, une nouvelle force, simplement la force d'avancer, la force de poursuivre. Et les plantes dans nos jardins ou dans la nature ne se contentent pas de survivre avec de l'eau, elles grandissent et se transforment, vont produire des graines et vont permettre qu'il y ait d'autres plantes qui vont suivre après elles. Et pour nous, c'est un peu pareil finalement. Quelles sont les graines qu'on produit et qui vont permettre que d'autres croyants fleurissent, mais de transmettre. On ne sait pas toujours ce qu'on les fruits, mais ce qu'on œuvre pour transmettre simplement d'une manière ou d'une autre. Les fleuves d'eau vive nous permettent de croître spirituellement, de mûrir dans notre foi, de devenir des témoins efficaces dans un monde qui n'est pas toujours prêt à recevoir cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Imaginez que vous aimez aider les autres, et c'est très bien, c'est une bonne qualité, mais sans la direction, la puissance du Saint-Esprit, vos efforts peuvent parfois sembler vains, voire épuisants et décourageant, parce qu'on le fait par nos propres forces, parce que ça nous procure quelque chose d'aider, puis finalement on se dit « mais personne ne le voit, je n'ai pas de reconnaissance exprimée, les gens ne m'encouragent pas, ou j'ai aidé, puis voilà ce qui me fait en retour. À quoi bon, c'est tous des pourris, enfin on pourrait dire. » Et on se dit « mais tout ça pour ça ». Mais la Bible encore, qui est notre filtre, nous dit « mais tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. » Parce que si on le fait pour les gens, alors ça peut être gratifiant, on peut recevoir des éloges, des marques d'affection et de reconnaissance, et c'est important de s'encourager. Mais si on le fait dans ce but-là, eh bien laissez-moi vous dire que vous allez être fortement déçus, et très rapidement. Parce que vos attentes ne seront jamais suffisamment comblées. Par contre, si on le fait pour élever le nom du Seigneur sans forcément attendre en retour, tu sais, tu invites quelqu'un à un repas, puis tu te dis, ben, il va m'inviter, puis tu vois, tu as une année qui passe, 2 ans, 3 ans, celui-là, je ne l'invite plus parce que ça fait déjà 2 fois qu'on l'invite, puis il ne nous invite plus en retour.
C'est juste une illustration, mais qui veut dire finalement on fait, mais dans le but de recevoir. De recevoir, qui est un retour d'ascenseur, hein, forcément. Alors c'est important ces choses-là. Mais si on le fait toujours en attendant une contrepartie, on va être déçu. Investissez pour le royaume de Dieu. Vous ne serez jamais déçu. Et parfois, eh bien, on peut être surpris du bien que ça peut faire. Lorsque vous puisez dans les fleuves d'eau vive, vous recevrez non seulement la force et la patience nécessaires, mais aussi la sagesse pour savoir comment et où aider, où c'est le plus efficace. Autrement, on risque de s'épuiser. Et votre service devient alors fructueux, apportant des bénédictions à ceux eh bien, que vous servez. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, prêts et unis, les remplissant de la puissance pour répandre la grâce autour d'eux. Ah, ils avaient soif, hein, ils sont restés 10 jours. 10 jours depuis l'ascension jusqu'à la Pentecôte à attendre. Je dis toujours, un jour ça peut aller, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais t'es sûr qu'il nous a dit de rester là, quoi. 5 jours, bon, il faut quand même aller bosser hein, maintenant parce que le frigo, il ne va pas se remplir tout seul. 6 jours, 7 jours. Et on voit la soif mentionnée dans ces textes qui est là, qui exprime aussi un puissant désir de bénédiction spirituelle. Rien d'autre ne peut satisfaire notre soif. Les influences et bienfaisantes du Saint-Esprit était ici, des fleuves d'eau vive. Jésus parle des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Pas juste pour vous. Et là, c'est un fleuve qui vient en vous, mais qui continue de couler et qui se répand sur d'autres. Ce n'est pas un fleuve qu'on garde pour soi. Ce n'est pas un barrage. Hein. Ce n'est pas la grande dixence. Ce n'est pas un barrage et puis il se remplit. Finalement, il faut bien que cette eau coule. Cette eau coule pour aller plus loin, si c'est juste pour conserver. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, eh bien on est appelé aussi à pardonner, à réconcilier, à manifester l'amour de Dieu autour de nous. Connaissez ce texte dans Jean 20. Je vous ai lu ce texte, Jean 20, 19, là il n'y avait pas Thomas, il n'était pas là. Thomas était absent lorsque Jésus est venu voir les disciples dans Jean 20 et dans le texte qu'on a lu là. Et Thomas, il va arriver un petit peu plus loin, il a raté le truc, je ne sais pas ce qu'il était en train de faire. Il était en course à la Migros ou à la COP, je ne sais pas, mais... Mais là, il arrive. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, c'est glauque, hein ? T'as quelqu'un qui a une blessure, tu lui plantes le doigt. » C'est ce que vous faites toujours, j'imagine, quand vous voyez quelqu'un qui est blessé. On a toujours envie de toucher la plaie. Hein ? Enfin, c'est un peu glauque. C'est un peu glauque, hein, quand même, si on réfléchit à ce qui est marqué. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi en lisant ce texte, mais c'est impressionnant. Tu te dis, il est un peu Thomas. Si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois ». Incroyable, Jésus il sait tout. En fait, ce que vous pensez, ce que vous dites, c'était avant l'intelligence artificielle, avant que nos téléphones portables nous espionnent, avant que tout ça... Il n'avait pas mis de micro, ça n'existait pas. Et Jésus dit, mais voilà, Thomas, tu es là, je suis content de te voir. Tu doutes? Ben vas-y, allez, touche. Touche, c'est glauque quand même.
Avance ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Incroyable. Incroyable. Jésus sait tout d'avance. Et finalement, il n'y a pas de remontrance. Hein. Il l'accueille. Il lui dit juste, tu peux me faire confiance. La parole de Dieu, tu peux me faire confiance. Et peut-être, pour nous aujourd'hui, eh bien, il y a ce tu peux me faire confiance. Tu as douté, je vais te donner des preuves. Mais tu peux me faire confiance. La foi est en effet un acte moral de la conscience, du cœur, indépendant des sens. Tous les objets de la foi appartiennent au monde invisible. On croit. On croit parce que Dieu l'a dit. L'Église chrétienne, depuis plus de 20 siècles, croit en Jésus-Christ et en sa résurrection sur ce même témoignage. On ne l'a pas vu, Jésus, en tout cas pas moi, même si j'ai vieilli, je n'étais pas là du temps de Jésus. Mais c'est la foi qui nous pousse à croire, et aujourd'hui encore. Au même titre qu'on croit à la résurrection de Jésus, on est appelé à croire aussi à ces fleuves d'eau vive qui veulent eh bien, nous visiter. Et pour conclure, eh bien, on est appelé à être des adorateurs véritables. Thomas va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Lorsque ses yeux se sont ouverts, il s'est mis à adorer le Seigneur. Et de contempler Jésus, d'être au bénéfice de la parole de Dieu, d'être au bénéfice de la puissance du Saint-Esprit, nous pousse à l'adoration. « Mon Seigneur et mon Dieu », à l'adorer. Comme Thomas, après avoir vu les blessures de Jésus, eh bien, nous exclamait aussi « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Roi, mon bien-aimé ». Reconnaître non seulement comme notre Sauveur, hein, parce qu'on est content, mais notre Seigneur, c'est-à-dire lui être soumis, et mon Dieu. Et la véritable louange jaillit d'un cœur qui trouve sa satisfaction en Dieu, malgré les défis, malgré les déceptions. Et j'imagine que Thomas, les disciples, étaient déçus de voir Jésus qui n'a pas livré les Romains sur le champ de bataille, parce que tous pensaient que Jésus allait les délivrer de l'oppresseur romain. Là, Jésus est crucifié, il est dans un tombeau et il va ressusciter. Et leur espérance était déçue, ils s'imaginaient être les bras droits, bras gauche de Jésus. Et là, tout à coup, Jésus y part. Puis il leur dit, moi je pars, mais c'est à vous de poursuivre. Mais je ne vous laisse pas seul, je vous donne ces fleuves d'eau vive. Et ce matin, vous n'êtes pas seul. Vous avez la parole de Dieu et vous avez le Saint-Esprit pour rendre vivante cette parole. Combien de personnes et je suis parfois attristé, ont une foi mystique. Je dis mystique parce que leur foi, ils croient en Dieu, ils aiment Dieu, et ça, j'en doute pas, mais il leur manque du carburant. Il n'y a pas la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne lisent plus la parole de Dieu. C'est difficile, eh bien, de véritablement être nourri, de véritablement savoir ce que Dieu aime, de véritablement être imbibé, eh bien, de ce que Dieu aime sans cette nourriture spirituelle, sans la parole de Dieu. Prions que ces fleuves d'eau vive coulent de notre sein, apportant la vie, la guérison autour de nous. Soyons ces adorateurs authentiques que Dieu veut. La parole de Dieu, elle est importante. Beaucoup de personnes veulent le Saint-Esprit, veulent ces fleuves d'eau vive. Et c'est bien. Mais pour que notre foi, elle, soit solide et qu'on puisse aller, on a besoin de contenu. On a juste besoin de contenu. Paul va le dire à Timothée. « Pour toi, tu as suivi dans 2 Timothée 3, c'est pas affiché, mais si vous avez une Bible, vous pouvez vérifier 2 Timothée 3, 10 à 17. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances.
À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et oui, quand il y a des difficultés, des fois on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Ben justement, tu aimes Dieu des fois. Et ça suffit pour que le monde nous rejette, pour que les gens des fois détournent leur talon de nous. Et ça peut faire mal, alors qu'on cherche à aimer. Ben la Bible le dit aussi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans la malle, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, la Bible. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a les fleuves d'eau vive qui vont rendre vivant cette parole de Dieu. Et Timothée a reçu cette exhortation de Paul, « Tu connais depuis ton enfance. » C'est aussi mon cas. Depuis mon enfance, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai été conduit de gré de force à l'église, parfois. Et je pourrais dire « Je sais ». J'ai plus besoin, je peux fermer ma Bible maintenant. Je l'ai entendu, j'ai suffisamment. Ben non. Paul le dit encore à Timothée. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse. Reste attaché à ce que tu as appris. Reste attaché. Et ce matin, restez attaché à cette parole de Dieu. Et laissez cette parole être rendue vivante par la puissance du Saint-Esprit. C'est là que le shalom, la paix de Dieu va venir dans vos cœurs, dans vos vies. Et vous pourrez vous-même eh bien, être ces fleuves d'eau vive pour d'autres. Apportez la paix, apportez la guérison, apportez la victoire. Vous entendez que quelqu'un souffre, priez. Entendez que quelqu'un a un besoin et que vous êtes capable d'aider, aidez. Et là, c'est le Saint-Esprit qui va parler à notre cœur, qui va nous pousser, nous conduire. Et la parole de Dieu qui va peut-être être à propos pour encourager, relever, bénir. Ça marche? C'est des basiques, hein? C'est des basiques, mais tellement difficile à mettre en pratique. Dans notre monde où tout va vite, où on est encombré par tellement de distractions qu'on n'a plus le temps de lire la Bible, plus le temps de rechercher sa présence, plus le temps. Mais c'est une invitation à juste prendre le temps dans sa présence, dans son amour, hein, et à se laisser emporter par ses courants d'eau. Des fleuves d'eau vive peuvent couler de vos vies. Pas juste de la vie du pasteur et de quelques personnes qui seraient payées pour ça, mais de vos vies. Ce que vous êtes dans vos familles, ce que vous êtes sur votre place de travail, ce que vous êtes là où vous êtes, personne d'autre peut l'être à votre place. Personne d'autre. Il n'y a que vous. Moi, je ne suis pas chez vous. Et je ne suis pas comme Jésus à tout à coup être dans votre salon. « Salut, je suis là, la paix soit avec toi. » Par contre, le Saint-Esprit, il veut être chez toi, non seulement que tu le voies, mais dans ton cœur. Dans ton cœur. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour cette abondance, ce courant d'eau. Merci pour la paix. Tu nous donnes, merci pour ta parole. Merci Jésus de nous aider à juste t'aimer, à vouloir te découvrir plus, à pas juste être, avoir une foi qui est vraiment, aide-nous à vouloir cette foi qui est basée
sur du solide, sur du concret, sur ta parole. Seigneur, comme tu as soufflé sur tes disciples, Seigneur, qu'on puisse se rendre compte qu'on a besoin de cette effusion du Saint-Esprit pour comprendre, pour aller, pour pas être frustré, pour pas être découragé, pour pas être tout à coup déçu, déçu de l'Église, déçu des gens, déçu des chrétiens, déçu de telle ou telle personne. Mais Seigneur, merci. Merci de nous aider à être finalement comme toi un petit peu, à penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Et ça, c'est possible qu'avec ces fleuves d'eau vive. Seigneur, oui, je confesse mon besoin de plus de toi, plus de ta parole, plus de ton esprit. Seigneur, afin que le découragement, la fatigue ne m'envahissent pas. Garde-moi, Seigneur, d'aller une seule fois, Seigneur, sans toi. Seigneur, juste par envie, juste peut-être pour être vu, ou pour faire comme les autres, ou mieux que les autres. Seigneur, garde-nous, Seigneur, des fausses attitudes. Garde-moi d'une fausse attitude, Seigneur. Et aide-nous à y aller et à faire que si toi, tu nous précèdes. Seigneur, augmente notre soif. Tu dis si quelqu'un a soif, eh bien oui, augmente notre soif. Plus de toi, Seigneur, cette soif de fleuve d'eau vive qui va nous mettre en mouvement. Seigneur, dans ce monde qui en a tant besoin, aide-nous à pas juste nous lamenter sur ce monde et constater combien ce monde va mal, Seigneur. Aide-nous à faire partie de la solution et pas du problème. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.